laisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi.
les camions de bidon arrivaient avec des hommes qu'on appelait les todes, qui étaient chargés d'apporter tout le matériel pour la construction des blocos. C'était des gens qui étaient réquisitionnés, qui étaient souvent habillés tout à fait de façon précaire. Ça devenait comme des routines. Et puis quand les bouchers, ils m'étendaient dans des vieux corps, ils les transportaient au château de Fontenay. Pour dire des gens qui pourraient être libres, on n'a pas dit. Mais là, ils sont bougés. Là, évidemment, c'était un pas des gens qui allaient être agréés, tant qu'on pense qu'on allait. Auprès du Calvaire, le fils de Citerin, là où en bâtonnet, qui recouffait auprès d'un poil. Alors que je faisais une réserve d'eau, je vous invitais tout un corps qui avait des vieilles voitures, des vieilles sécapes, avec un tonne de 500-600 litres. Vraiment, c'était les moyens, alors qu'on prenait, les moyens du corps. J'en ai avec un cheval dans mon coup. Ce que j'ai dit, d'autres allaient avec une belle pioche, je fais ça aussi, creuser des trous pour des asperges romaines. Forcément, personne ne travaillait bien, c'était fait.
So